Bonjour ou bonsoir à tous. Je m'appelle Mohamed Amouden. Je suis de nationalité algérienne. Et comme le montre clairement mon accent, je suis berbère et plus précisément un kabyle. Je suis actuellement enseignant-chercheur en didactique des langues à l'université de Béjaïa en Algérie. Parcours universitaire et puis professionnel a débuté avec mon inscription le mois de septembre 1994 en licence de français à l'université Mouloud Mamri de Tizi Ouzou. J'ai alors obtenu mon diplôme de licence en langue et littérature française en 1999. J'ai commencé ma carrière professionnelle le mois de février de l'an 2000, comme enseignant de français au lycée. J'ai occupé le poste jusqu'à octobre 2007. Parallèlement, j'ai préparé un magistère à partir de 2005, un magistère en didactique du FLE à l'université de Béjaïa dans le cadre de l'école doctorale algéro-française de français, l'EDAF. J'ai soutenu mon mémoire de magistère le mois de juillet 2017. C'était un mémoire sous la direction de Claude Cortier de l'Université de Lyon. Le mois d'octobre 2007, j'ai été recruté au département de français de l'Université de Béjaïa et je me suis inscrit en thèse de doctorat. J'ai soutenu ma thèse de doctorat en didactique du français le mois de juin 2012. Cette thèse a été dirigée par Malika Kebas de l'ENS d'Alger et par Claude Cortier de l'Université de Lyon. J'ai ensuite obtenu mon habilitation universitaire, qu'on appelle également habilitation à diriger des recherches, le mois de décembre 2014. Enfin, j'ai eu le titre de professeur des universités le mois de juillet 2021 lors de la 43e session de la Commission universitaire nationale, la CUN. J'ai eu l'honneur d'être chargé de plusieurs responsabilités scientifiques et pédagogiques, dont coordinateur pédagogique du Centre d'enseignement intensif des langues de l'Université de Béjaïa, directeur du laboratoire de recherche formation LAILEM, responsable du master linguistique et didactique, responsable de la formation doctorale linguistique appliquée à l'enseignement du français langue étrangère, responsable de la formation doctorale de 2016 intitulée Sciences du langage et didactique, responsable de l'école doctorale de français de l'Université de Béjaïa, responsable du master linguistique et langue appliquée, co-rédacteur en chef de la revue scientifique internationale Action didactique. Pour ce qui est des productions scientifiques, j'ai publié un ouvrage scientifique en 2019. J'ai écrit ou co-écrit 36 articles dans des revues ou dans des actes de colloque. J'ai fait 15 communications internationales et 13 communications nationales. Pour ce qui est de la direction des mémoires et des thèses, j'ai dirigé deux thèses de doctorat en didactique du français qui ont été soutenues. Je suis actuellement directeur de recherche de 6 thèses en cours de préparation et j'ai dirigé de 2008 à ce jour plus de 70 mémoires de Master 2. Mes principaux champs d'intérêt sur le plan scientifique sont l'enseignement du français en Algérie, les contacts de langues et leur implication, le plurilinguisme, les genres de discours, l'approche intégrée de l'enseignement de l'oral et de l'écrit, le français sur objectif spécifique, la méthodologie de la recherche et l'écriture scientifique. Je viens de lancer ma chaîne YouTube. Je compte sur vous, mes collègues, mes amis, mes doctorants, mes étudiants,
pour m'encourager avec vos abonnements. C'est simple, il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui apparaît au bas de l'écran et puis sur la cloche des notifications pour que vous soyez les premiers à recevoir mes prochaines vidéos. Merci, merci d'avance.